D'après les renseignements que nous possédons, deux des quatre empereurs s'apprêtent à entrer en contact. Il s'agit de Jean-Jacques Leroux et d'Edouard Newgate. À bord d'un navire ennemi, je voulais mettre les choses au point avec gentillesse. Cette cicatrice, c'est pas le souvenir d'une aventure ou d'un de mes duels avec œil de faucon. C'est un de tes hommes qui me l'a faite. Marshal Dittich, plus connu sous le nom de Barbe Noire. Et pourtant, à aucun moment je n'ai baissé ma garde. Tu comprends ce que j'essaie de te dire, Barbe Blanche? Cet homme est dangereux. Tu dois à tout prix arrêter Ace. Il est très fort, j'en suis conscient. Sinon, je me doute bien que tu n'aurais jamais confié le commandement de ta deuxième flotte à un type aussi jeune que lui. Il a tué un membre d'équipage. C'est le pire crime qu'on puisse commettre à bord d'un navire pirate. C'est mon devoir d'enseigner à ce crétin de Barbe Noire qu'on ne peut pas survivre dans ce monde sans un minimum d'honneur. Alors cette terre est bien partie pour dérailler. Et personne ne pourra plus l'arrêter. Ça ne me fait pas peur. Des nuages. Enfin non, le ciel se déchire.